Retour au Burkina Faso et dans l'actualité nationale, 200 motos tout-terrain pour les forces de défense et de sécurité pour améliorer la mobilité de la gendarmerie et de la police dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Coût global du matériel roulant, près de 500 millions de francs CFA. Issa Kafando, Salifou et Drago Dramandadian. Voici qui va rendre plus opérationnelles les forces de sécurité. 200 engins neufs, essentiellement des motos, à plus de 500 millions de francs CFA. C'est une dotation qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement du gouvernement aux forces de l'ordre. C'est des motos tout-terrain et qui vont permettre à la police et à la gendarmerie d'accomplir un certain nombre de missions qui leur sont assignées. Voilà, on en a toujours besoin parce qu'il y a des coins où on ne peut pas aller avec les quatre roues. Il faut des motos. Donc, il faut que nous essayions au fur et à mesure d'augmenter le nombre de motos qu'on met à la disposition de nos commissariats et de nos brigades territoriales de gendarmerie. Ces motos sont réparties dans toutes les régions du Burkina en fonction des besoins. La région du Sahel, par exemple, en reçoit une vingtaine et 50 pour la gendarmerie basée dans les différentes frontières en vue d'améliorer ses conditions de patrouille.